Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un haul avec la maison du canevas. Voilà. Pourquoi avec la maison du canevas? Parce que je vais, à partir du 3 septembre, j'ai déjà dû vous en parler dans une ou deux vidéos, commencer un sal. Alors un sal, c'est une broderie que... Pardon, bon, les brodeuses connaissent, mais ceux qui ne sont pas brodeuses, je vais vous expliquer. Donc c'est un groupe de personnes sur internet, donc là ce sera sur Facebook, qui brodent la même broderie en même temps, donc étape par étape, on fera tous ensemble, de chez nous bien sûr, la même étape en même temps, voilà. Donc là, c'est un sal mystère, donc une broderie mystère. C'est sur le thème de la mercerie ancienne. Voilà, il y a Fifi qui passe, merci. Alors, c'est un sal qui est organisé par... Alors, j'ai noté Manucrea and Mad. Voilà, j'ai noté pour ne pas me tromper. Donc, elle a sur son mur, bien sûr, elle en parle. Je vous mettrai le lien et elle a ouvert un groupe également pour l'organisation de ce sal, donc qui va durer 6 mois. Donc sur ce groupe, il n'y aura que les personnes qui font la broderie, bien sûr, et la grille. Donc c'est elle qui a fait cette grille, qui l'a inventée, dessinée. Et elle est à vendre donc sur son site internet. Pareil, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Donc elle le vend 10 euros. Voilà. C'est pas très cher hein, pour une grille de broderie. Donc on doit nous se fournir du coup la toile et le fil. Voilà. Donc voilà pourquoi moi je suis passée par la maison du canevas. Donc pour continuer à parler un petit peu de ce sal, donc j'ai tout noté hein, parce que sinon ma mémoire de poisson rouge je vais oublier. Donc ça démarre le 3 septembre, ça va être fait en 12 étapes, donc on en aura une tous les 15 jours et ce sera fait sur 6 mois. Voilà. Alors pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pris un seul exemple, par exemple sur une toile de 12 fils. Le dessin fera 32 cm et demi sur 79 et demi. Voilà, ce sont du 12 fils. Hein. Après, ça dépend le choix de la toile que l'on choisit. Là, c'est hors marge, hein, les mesures que je vous donne. Après, il faut ajouter les marges pour l'encadrement. Voilà. Et ce sera fait en bicolore, donc en deux couleurs. Voilà. Donc, on est libre de choisir la toile que l'on veut, les couleurs que l'on veut. Donc, voilà. Donc, moi, je vais pour ce sal, je vais vous mettre en barre d'infos tous les liens nécessaires. Comme ça, si ça vous intéresse, ben, vous pourrez nous rejoindre donc, sur le groupe de Manucrea. Et là, vous avez encore largement le temps de vous inscrire hein, si ça vous intéresse, puisqu'on n'est pas encore le 15 août. Donc, vous avez encore 3 semaines pour vous y inscrire. Donc, les grilles, donc, elle ne vous envoie pas la grille en une seule fois. On va recevoir les grilles tous les 15 jours, étape par étape, en PDF, donc sur notre adresse email. Voilà. Voilà mes explications donc, pour la salle. Mais si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas en barre d'infos, j'y répondrai quand même. Voilà, mais que c'est pas moi qui l'organise, mais il n'y a aucun souci. Alors, la maison du canevas. Je vais d'abord vous en parler un petit peu et je vous montrerai ce que j'ai acheté. Alors, pour pareil, celles qui ne connaissent pas, bon, malgré que je pense que la Maison du Canevas est quand même une boutique qui est un peu connue, bon, surtout par les brodeuses, mais j'avais du coup fait un petit topo. Moi, je connais cette boutique depuis très longtemps, depuis le début que je brode, hein, donc
je sais plus ça fait combien de temps, mais et j'avais fait et puis le canevas également. Alors pour vous raconter un petit peu l'histoire de cette boutique, le monsieur qui a ouvert cette boutique, non, Fifi, attends, voilà, allez, hop, passe. Oh, elle va m'embêter tout le temps. Allez, hop, voilà. Alors, monsieur qui a ouvert cette boutique a d'abord commencé sur les marchés en 1976. Alors, vous voyez, ça, c'est pas d'hier. Il a fait ses premiers catalogues en 89. Il a commencé les sites internet. Non, pas les sites internet, je me trompe. Il a commencé sur Minitel. Les vieilles personnes comme moi sauront ce que c'est, le Minitel. Donc ça, ça devait être en 96, et un an après, il est arrivé sur Internet, là où il a ouvert son site Internet, que l'on connaît maintenant, bon, qui a changé hein, depuis. Et d'ailleurs, aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, aujourd'hui, le site a changé. Le design du site, tout a changé, beaucoup plus, je trouve même maintenant beaucoup plus clair, beaucoup plus aéré, beaucoup plus facile au niveau des recherches, et il a été ouvert aujourd'hui, enfin ça a basculé aujourd'hui, de l'ancien site au nouveau, ça s'est fait aujourd'hui. Donc le site internet c'était en 97. Voilà, et depuis l'an 2000 à peu près, je crois, la société est à Saint-Nazaire maintenant, voilà. Saint-Nazaire, c'est en Bretagne ça, non? Je ne sais plus, je suis très mauvaise en géographie, voilà. Et donc, il avait commencé par des canevas. Voilà, et depuis 2007, de plus en plus, il y a d'articles sur le site internet. Il y a eu les broderies, après les canevas, et puis après il y a eu la laine, la mercerie. Maintenant, il y a même du DP, du diamond painting. Il y a de la peinture, peinture numéro, voilà. Il y a beaucoup beaucoup de choses, il y a des accessoires, même des petits accessoires à broder, des nappes, des bavoirs, vraiment beaucoup beaucoup de choses. Et là j'ai cru apercevoir donc aujourd'hui qu'il y avait de nouveaux articles, si je ne me trompe pas, je crois que j'ai vu des coques de portables. J'ai pas encore regardé à fond le nouveau site internet, mais j'ai pu voir des coques de portables à broder. Donc je pense que je vais regarder ça de plus près. Voilà. Donc c'est un site internet également. Donc je vous rappelle, je ne suis pas sponsorisée, hein, ils ne m'ont pas demandé de faire leur pub. Hein. C'est moi qui choisis de le faire de moi-même parce que j'adore cette boutique. Il y a très 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 souvent des promotions. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette boutique. Parce qu'il y a très souvent des promotions. Là, avec les soldes, bon, bien sûr, il y en a eu beaucoup. Et maintenant que les soldes sont terminés, ben, il continue à y avoir des promotions. Donc là, je sais que ben, du coup, avec le nouveau site qu'ils ont ouvert aujourd'hui, ils font des nouvelles promos, moins 50%, tout ça. Donc ben, c'est le moment d'en profiter encore, malgré que les soldes sont terminés. Vous avez quand même pas mal de choix hein, sur ce site. Il y a quand même plus de 10 000 broderies, 10 000 broderies canevas, je crois. Et puis, il y a plus de 100 ou 150 000 articles dans le site, tout global. Hein. Donc, il y a de quoi choisir, de se faire plaisir. On reçoit également, alors on n'est pas obligé de le recevoir, mais vous pouvez, quand vous inscrivez sur le site internet, vous pouvez cocher pour l'avoir. Moi je l'ai demandé parce que j'aime beaucoup le recevoir, le catalogue. Je reçois à peu près tous les 15 jours, 3 semaines, je crois. Et bon, malgré l'écologie, bon, c'est le seul catalogue que je reçois, de toute façon, à la maison. Mais celui-là, j'aime beaucoup le recevoir.
Parce que ben, je vois justement les modèles de broderie, de canevas, tout ça. Et maintenant, il y a des diamond painting dedans aussi. J'aime bien le feuilleter et j'aime bien le voir. Donc, mais ça, vous n'êtes pas obligé de le demander, le catalogue. Voilà. Alors, ils ont une page Facebook. Pareil, je vais vous remettre, pour ceux qui ne connaissent pas, en barre d'infos, je vais vous mettre le lien de leur page Facebook, le lien de la boutique, bien sûr. Ils ont une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver différents tutos qu'ils ont faits. Alors sur la broderie, sur des petits bricolages, il y a pas mal de choses intéressantes. Et donc là, avec l'adresse internet que je vous mettrai, vous tomberez sur le nouveau site internet. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, hein, sur la maison du canevas. Bon, je pense que ça s'entend que c'est une boutique que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et je crois que je resterai fidèle à eux encore un bon bout de temps. Voilà. Fifi. Excusez-moi, là, j'ai fait une bêtise. Allez, maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, d'abord. Donc, vous voyez, même dans mon colis, j'avais encore une petite, on va dire, un petit mini-catalogue. Voilà. Avec des... Bon, il y a un petit bon de commande, si je veux. Et là, c'était sur les échevettes. Voilà. Petite promo des chevettes. Donc il y a les DMC, il y a des LMC, est-ce qu'il y a d'autres marques? DMC. Non, là j'ai que les DMC. J'ai les DMC. Alors, DMC, ils ont toute la série. Hein. Les couleurs variations, les moulinets, les ardents. Je sais jamais dire ça. Ardanger, voilà. Alors ça, c'est une broderie qu'on fait, mais on fait des trous et on brode dans les trous. Voilà. Les perlés, les colberts, les retors, donc les et les moulinets spéciaux. Et alors, après, il y a des lots, hein. Vous pouvez avoir des lots. Et suivant comment vous les achetez, il y a des prix encore plus intéressants. Les échevettes au prix... Alors, les échevettes normales, hein, la 117, c'est 1,01€. Et après, vous les avez en promo. Donc, plus vous en prenez, plus le prix est plus bas. Donc, à partir de 30 échevettes, bon... c'est 95 centimes. Mais c'est pareil, je crois qu'elle y a encore la promo. Cette semaine, il y avait une promotion. 3 échevettes achetées, la 4e était gratuite. Je ne sais pas si la promo est encore en cours cette semaine. Voilà. Vous pouvez même acheter le nuancier. Bon, il y a quand même pas mal de choses. Alors, chez eux, pareil. Si vous achetez des choses assez conséquentes, donc au niveau prix, je veux dire, vous avez la possibilité de payer en 2 fois ou en 3 fois, à partir de 60€. Donc ça, vous pouvez le faire par carte bleue ou par chèque. Voilà. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois chez eux, j'ai jamais eu aucun souci. Hein. J'ai jamais eu de problème. Ça m'est arrivé plusieurs fois de payer en plusieurs fois chez eux et j'ai jamais eu de problème. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a qu'un souci. Voilà. D'ailleurs, chez eux, j'avais acheté, voilà, voyez ma lampe loupe là, ma grande lampe loupe sur pied. J'avais acheté une petite aussi sur table. Je vous mettrai en barre d'infos, si j'oublie pas, le lien de cette lampe loupe sur pied. Voilà. Je suis bavarde ce soir. Alors, je vous montre ce que j'ai acheté. Alors, le coupon. Alors, j'ai pris de la toile étamine, donc elle est blanc cassé. Alors, j'ai pris un grand coupon. Alors, quand je l'ai acheté, quand je l'ai commandé plutôt, elle était à 50%. C'était la promo de la semaine. Donc, elle était à 50%. Et là, par contre, cette semaine, elle est à 30%, la toile. Bon. Mais il y a quand même toujours une promo dessus. Hein. Un peu moins, mais bon.
Donc j'ai pris un grand coupon. Alors, je ne vais pas tout vous déplier, hein, mais... Donc là, c'est qu'une partie. Et là, elle est encore pliée en deux. Hein. Vous voyez ? Hop. Donc elle fait 1,40 m sur 1 m. Voilà. Et hop, je la replie, c'est pour pas trop la chiffonner. Je vais vous la montrer de plus près. Voilà. Donc c'est de l'étamine. Voilà. J'ai choisi de l'étamine parce que je voulais que ma broderie soit fine. Je ne voulais pas prendre de l'aïda. Et je ne veux pas prendre du lin parce que le lin, je ne sais plus le broder à cause de mes yeux. L'étamine, elle est beaucoup plus facile à broder. Alors, je ne sais pas si je vais savoir vous montrer. Ça va être compliqué, mais bon. Alors, voyez. Hop, j'essaye de vous montrer les petits trous, mais je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ça ressemble un peu plus à l'aïda, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fin, bien sûr. Mais le lin, non, c'est fini. Je crois que je ne pourrai plus jamais en broder. Mais bon, j'aime beaucoup l'étamine, donc ça ne me dérange pas. Alors, le prix normal de ce coupon, en 140 sur 100, pareil, j'ai noté hein, pour ne pas oublier, c'est 44,80 €. Donc, moi, je l'ai eu à 22,40 €, donc à 50%. Et au jour d'aujourd'hui, elle est à 30,80 €, donc elle a 30% de réduction. Voilà. Mais vous avez des coupons beaucoup plus petits, hein. Il y a des coupons à moins de 5 €. Donc, ça dépend de la taille que vous voulez de coupon. Ensuite, voilà. Donc, quand vous achetez les échevettes, tout ça, ils vous mettent tout dans un petit sachet comme ça. Donc, c'est super. Alors, voilà la couleur que j'ai choisie. Alors, les références de couleurs, le 838, donc c'est celui-là, un marron. Donc ça, c'est le 838. Et le 977, voilà. Donc, c'est pas vraiment orange. Hein. À l'écran, on dirait orange, mais c'est entre un marron glacé clair, on va dire, très clair, entre le orange et le marron glacé clair, ouais, je ne sais pas comment trop le dire. Voilà. Mais là, ça fait orange à la lumière. Mais... Donc là, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 de chaque, mais je dois en recommander parce que j'en ai pas assez. Il m'en manque 3. Ensuite, je me suis reprise des... Alors oui, le prix du coup, ben là, je les ai eu en promo. Je les avais payés 95 centimes pièce. Il y avait une promo ce jour-là. Je me suis racheté donc des aiguilles à broder. J'en ai hein, des aiguilles à broder, mais là, bon, il y avait une promo aussi. Ce qui est bien, c'est que j'ai commandé pendant les soldes, donc j'ai profité. Et c'est des aiguilles en plaqué or. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec des aiguilles en plaqué or? Voilà, donc il y en a 4 dedans, c'est des DMC. Alors, j'aime bien, c'est parce que vous voyez, le chat est très très grand, enfin très grand. Donc, pareil, sur mes yeux de top, ça va être bien pour enfiler. Alors, c'est des aiguilles en or, en plaqué or. C'est des aiguilles qui sont hypoallergéniques, qui vont pas noircir, qui vont permettre de bien glisser sur le travail. Voilà, donc ça n'a que des avantages et elles sont pas chères, malgré que c'est du plaqué or. Là, pour les 4 aiguilles, au prix normal, hein, c'est 3,80 € pour les 4. Et ici, en promo, et elles sont toujours en promo au même prix, elles sont à 2,66 €. Voilà. Donc, c'est des 24 carats, ouais, c'est du 24 carats en plaqué or, voilà.
Et la longueur, alors c'est des numéros 22, comme aiguille. Je suis en train de fondre, les filles. Donc voilà, je me suis repris donc des aiguilles. On peut toujours en avoir besoin. Et je me suis offert, alors je le voulais depuis longtemps, et du coup j'ai profité des soldes. Mais là par contre, je sais pas. Quand c'était les soldes, moi je l'ai eu à 30%. Et là, aujourd'hui, il est à 50%. Du coup, là, j'ai un peu les boules. Mais bon, ça fait rien. Je me fais de l'air. Du coup, bon, bah, tant pis. Hein. C'est... Alors, j'ai déjà monté. On le reçoit démonté. Voilà. C'est un métier à broder. Voilà. Donc, c'est un métier rotatif pour canapé. Voilà, c'est pour moi dans mon fauteuil. Donc, la marque, c'est Dupco. Voilà. Donc, il est tout en bois. Bon, je l'ai déjà monté pour vous le montrer. Hein, c'était plus facile. Voilà. Donc, on va fixer ici en haut et ici en bas. Donc, je vais vous montrer après, vous voyez. Donc, on a des petites languettes comme ça en bois pour fixer notre ouvrage. Il y en a une ici aussi, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Putain, il y a une voiture, un fou qui passe. Et donc, dans le canapé. Bon, là, je suis assise à table, hein, donc ça ne se verra pas bien. Mais au canapé, voilà, je l'ai de chaque côté de moi, dans le fauteuil. Donc j'ai des, ici, vous voyez, j'ai encore des trous. Donc je peux le mettre à la dimension que je souhaite. Voilà. Donc je pense que même si je le mettais tout en bas, je pourrais aussi m'en servir à table, sur la table. Vous voyez, si je le mettais vraiment tout en bas, je pourrais m'en servir aussi sur ma table. Pas seulement dans le fauteuil. Voilà. Coucou. J'ai chaud. Donc voilà. Donc ça c'est... Voyez. Donc ça, alors le prix normal, c'était 58,60 €. Donc moi je l'ai eu avec 30% de remise. Je l'ai payé 41,02 €. Et là, aujourd'hui, il est à 50%, du coup, il est à 29,80 €. Bon, tant pis pour moi. Hein. J'ai raté la remise de 50%, mais je ne pouvais pas le savoir à l'avance. Hein. Donc, bon, là, j'ai tout serré à la main, donc il faudra que je resserre. Mais j'ai fait ce soir. Il faudra que demain, je reprenne des outils dans la cabane à outils. Pour bien tout serrer, parce que les petits boulons, je les ai juste serrés à la main. Donc, je vais bien tout serrer demain avec la clé, pour pas que ça bouge. Voilà. Donc, voilà mes petits achats à la maison du canevas. Je suis super contente. Donc là, maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est que le sale commence. Voilà. Alors, en attendant... moi, je suis en train de faire une broderie. Voilà, alors du coup, elle est sur un mini cadre, comme ça, en plastique. Voilà. Et c'est celle-ci que je suis en train de faire. Donc, c'est un modèle de Isabelle à Courvautier. Voilà. Donc là, c'est la... Laisse parler ton cœur, c'est de la collection Bebop Lola. Voilà. Donc, ce que je peux essayer de faire, alors je vais essayer de, je vais le démonter. Je vais essayer de le monter sur le... Vous voyez là, c'est un petit cadre comme ça, avec des... Voilà. J'en avais des plus grands, là c'est un 15-15.
J'en avais les plus grands avant, mais c'est pareil, je pensais ne plus jamais refaire le broderie, donc je les ai revendus. Et du coup, il ne me restait que le petit. Mais bon. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir. Mais il faudrait que je recoupe un peu ma toile, peut-être. Bon, je vais vous montrer comme ça. Et alors voilà, vous voyez, votre toile. Alors ici, bien sûr, elle sera enroulée comme ceci. Bon, là, c'est, je le fais de manière anarchique. Hein. Voilà, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Bon, là, elle est chiffonnée. Hein, donc, voilà ce que ça fait quand elle est bien tendue et pas chiffonnée. Voilà, je travaillerai comme ça. Et donc là, pour ça, au moment où je commencerai l'autre toile, je vous montrerai comment j'installerai ma toile dessus. Pour vous montrer comment ça fonctionne exactement. Voilà, ça me permettra de vous refaire une vidéo dessus. Bon, là maintenant, j'aurais plus qu'à remettre celui-là. Je vais profiter pour vous montrer donc la broderie que j'ai finie la semaine dernière et comment j'ai fait le montage. On se retrouve tout de suite. Donc voilà. La broderie que j'ai faite, je vous la montre comme ça d'abord. Donc elle fait 90 cm de haut sur un peu plus de 30 cm de large. Donc elle a été montée, j'ai fait des rubans ici, là c'est un morceau de bois, une chute de bois. Avec la chaleur ça se décolle, mais ça c'est pas grave. Voilà, c'est des chutes de bois, une chute de bois que j'ai recouvert de washi. Voilà, j'ai mis deux petits pitons et un petit cordon noir pour l'attacher. Alors j'ai cousu ma broderie, voilà, sur une toile, alors en mode récup. C'est une toile qu'on m'avait donnée, enfin c'est des housses de canapé qu'on m'avait donné pour moi en faire ce que je voulais. Et donc j'ai récupéré, j'ai coupé ce que j'avais besoin et donc voilà. J'ai fait un arrière pour ma broderie. Voilà. Et en bas, j'ai mis un petit bout de dentelle que j'avais. Et ici, un peu plus haut, j'ai agrémenté ma broderie donc avec un petit cœur en métal. Voilà. Donc je remontre. Donc je l'ai faite qu'en deux couleurs, hein, comme vous voyez. En noir et en rouge, donc du 310 et du 321 pour le 321 pour le rouge. Donc voilà. Donc voilà, comme ça vous avez vu la broderie que j'ai finie, vous avez vu la broderie que je suis en train de faire et vous avez vu. Enfin, la broderie que je vais commencer en septembre, vous ne pouvez pas la voir puisque c'est une broderie mystère. Mais je vous la montrerai au fur et à mesure. Tous les 15 jours, quand j'aurai fini une étape, je vous ferai une vidéo pour vous la montrer. Comme ça, vous verrez, vous pourrez me suivre au fur et à mesure, tous les 15 jours, si ça vous intéresse, de voir ce que j'ai fait. Voilà. Bon, Fifi, allez, bouge, maman. Bon, je suis en âge de plus en plus. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, je vous mets en barre d'infos tous les petits liens que je vous ai promis. Et nous, on se retrouve très rapidement
pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À très bientôt. Bisous, bisous.